Wow. C'est très chouette, hein. Ok, mettez-vous à l'abri. Bon, l'ambiance, j'avais entendu beaucoup de bien sur l'ambiance. Et en effet, pour l'instant, ça marche bien. Hein. Ça marche vraiment très très bien. Bon, visiblement, ma voiture a été un petit peu découpée. Voilà, donc le jeu va un peu se découper en deux parties, une partie à pied, une partie en voiture. La voiture, apparemment... Ok, pas d'animation de pays. La voiture étant vraiment un personnage à part entière. Alors, remettez la roue en place. This is Tobias Barlow and Francis Cook, located in mid-zone sector B. Do you read me? I'm picking up your distress signal in the outer zone. It looks like you're somewhere around sector E. Hey Francis, come here! Yes, it's urgent. Leave that interferometer alone for a second. Something is out there. Oh waouh, ça roule mal, hein. Je pense qu'il manque encore un pneu, c'est pas possible. Hey, we got a live one. Hey, do you copy? Hello? Hello? Is this thing working? They don't have a transmitter. We won't hear a thing back. Huh. But if they're stranded, could they, I mean... They're from outside? They're a preacher? Hey, how did you get through the barrier wall? No one's gotten into the zone in ages and lived to tell about it. And if we don't get them to safety, this one won't either. That's a good point. Hey, you're in serious danger. The instability's closing in, and it's gonna scramble you quicker than beef in a blender. Your closest shelter is a few miles east. Get there however you can, and be quick about it. Ah oui, j'ai pas arrêté la voiture. Ah ça j'aime bien, c'est pas mal quand même. Hop. S'il faut non. Ah oui, il faut déjà un bidon d'essence. Dans la voiture, il y en a-t-il un? Oh! Ok. Bon, pour l'instant, j'aime bien, hein. L'intro est vraiment chouette. Après, ce qui me fait peur, c'est vraiment sur la durée. J'ai tendance à vraiment pas adorer les jeux de survie. Surtout en solo. À la limite en multi, il y a un côté, on s'amuse, on est à plusieurs. Autant en solo, je ne sais pas. Bref. Oh. Il faut partir. Oh oh. That can't be. There hasn't been one in decades. Look at that spectral fingerprint and tell me that doesn't match the remnants exactly. No. What we should be looking at is how fast this creature seems to be moving. Huh. If I didn't know better, I'd say they're going about the speed of a... No way. No way. Do not tell me. They found a remnant and it's a car this time? Holy Christ! No one's had fucking wheels in here for ages. Boy, I'd kill to know how a combustion engine's still chugging away out there. Okay, let's not get ahead of ourselves. First, the creature needs to get to safety. Oh là là, oh là là, oh là là. In my heart of hearts, I already know. They're back, baby. You find that shelter, go on and let yourself in. Alfie ain't gonna like you poking around in there, but better to face a bad side than let the zone eat you alive. On passe ou pas? Oui. La réponse est oui. Je fais vraiment tout dans le mauvais ordre à chaque fois. the shop. God, it's been breached. You've got 5 seconds to get the hell out before I... Je vais juste rentrer la voiture. Ah, une roue. Build that 300-meter wall out there for fun. Unless you're one of the unfortunates who got zapped through. Wait, I just remembered. I don't give a damn why or how you got here. You're trespassing, and I'd kindly like you to get the hell out of my zone. Oh, God, unfortunately. The barrier wall is as fortified against breaches trying to get in as it is against anyone or anything trying to leave. We have to find you a way out. So you might as well start by fixing up that car. Just don't break anything in my shop with those soft hands of yours. Ok, alors il faut que je trouve un sac à dos apparemment. What? You need help? There's a headset somewhere in the garage. Put it on. The built-in diagnostic will tell you what needs fixing up. Okay. Ah oui, si, c'est ça. C'est bien ça. Alors, station de premier soin. C'est bon ou pas? J'ai pas compris. Je pense que oui. Rentrer la voiture, ça c'est bon. Remettez la roue en place. Ah, j'avais raison, fallait bien prendre la roue ici. Ah oui, ok. Donc. Hop. Ok, très bien. Capacité de la voiture. Certaines pièces et certains équipements que vous installez sur votre voiture ont des capacités qui doivent être activées. Vous pouvez assigner des commandes à 4 d'entre elles au maximum en utilisant le petit panneau sur la gauche de votre tableau de bord. Ok, ok. Commande de la voiture. Vous pouvez tenir le volant, freiner, faire marche arrière, passer du stationnement à la conduite et bien sûr tourner la clé de contact. Vous pouvez aussi allumer et éteindre la radio, les essuie-glaces et les phares. Et quand plus rien d'autre ne fonctionne, vous pouvez klaxonner. Ok. Ok. Wow, ça a l'air dense. Ça a l'air vraiment très dense. Bon après ça c'est juste un glossaire avec tout je pense. Mais bon vous voyez je commence déjà à savoir que je vais pas jouer au jeu en dehors de la démo. C'est déjà trop. Bon là je comprends pas grand chose pour l'instant. Mais c'est normal. Bref, plan. Kit de premier soin. Qu'est-ce que je dois faire en fait? Portière rudimentaire à la liste des tâches. Oui non mais j'ai déjà lu ça. Plan. Portière, ah oui ok, portière rudimentaire. Checklist, boom. Ok. Remplacer une portière. Quoi? Ah non mais c'est bon, j'ai chopé ce que je devais choper. Ah non mais c'était là. Ok, donc là je récupère ce qu'il y a là-dedans. Petite biche, ruban adhésif. Hop. Ok. Et là je fais quoi? Merde, je vais casser mon truc. Ouais, ouais. Oh! Ah oui, je peux le jeter. Ok. Mais comment je fais pour remplacer une portière rudimentaire, dites-moi? Je comprends pas. Faut que je la construise en fait, non? Oh là là, c'est pour ça que j'aime pas les jeux de survie. Comment il faut juste que je cherche ces autres trucs là, ferraille, plastique, éclat de verre. Mais bon. Merde. Je comprends pas, j'aimerais prendre ça moi. Ah, oh merde. Oh, la tristesse de quand je galère. Ok. Voilà, au passage. Bon les amigos là. Comment ça marche ce truc? Blablabla, ouais, super. Vous voyez, le jeu était bien jusqu'à ce qu'il ajoute des trucs de survie. Et puis là, ça devient chiant. Parce que là, je capte juste R. Récupérez les objets dans la voiture abandonnée derrière le garage pour votre liste. Oubliez le coffre de la voiture. Forcez le coffre de la voiture. Ah bah voilà. Voilà, c'était tout simple en fait. Excellent. Ok, donc en fait, faut vraiment aller là et lire quoi. Donc là, fouiller la benne à ordures. The fuck. Ok. Et ensuite, récupérer les roues, panneaux et portières. Ok. Bon, ça va en fait, je suis juste un idiot. Mais comment je récupère ça là? Ah bah si, il faut que j'équipe ça. Non. J'ai peur de pas avoir fait ce qu'il fallait faire. D'avoir juste détruit le truc. Merde. Comment j'équipe le machin là? À part comme ça. Ah voilà, c'est. Ah. Je sais pas là, disons. Merde. Oh. Bon, de toute façon, je pense que j'ai pas d'autre moyen de le faire, donc on va faire ça. Et on va espérer que ce soit bien ça qu'il faut que je fasse. Mais vu que ça me donne des machins là. Fabriquer. Ah, c'est bon, je peux la fabriquer. Oui, ça, ça me donne des matériaux en fait. Établi. Portière. Fabriquée. Boum. De la portière. Passons la portière. Là, il faut que je choisisse où. Ouais, je pense que je vais mettre là d'abord. Boum. Prenez le mastic de réparation dans le casier. Prenons. Mastic de réparation. Ah, une roue. Ok. Mais la roue de secours, je peux la mettre quelque part. Ok. Équipez le mastic. Équipons le mastic. Où est le mastic? Il est là. Équipé. Le mastic pour réparer la voiture. Mais où? Waouh. Ok, ça y est, je commence à comprendre. En gros, chaque truc a une pièce. Enfin, chaque pièce a une petite caractéristique et tout. Ah bah voilà, j'allais dire quand est-ce que... Ah non, ça va. Le mastic il est... Ah non, ok. Bon, bref. J'avais demandé le mastic est-il illimité ou pas. Qu'est-ce que j'ai pas réparé encore? Voilà. Alors, scanner le pneu crevé. Scannons. Avec nos petits yeux. Ok. Oh là, il y a tellement d'infos dans tous les sens là. Réparer le pneu en fabriquant et en utilisant le kit de, colmatage ou remplacer le pneu crevé par la roue de secours trouvée dans le casier. Bah, parfait, on va faire ça plutôt. Bah je sais que mon inventaire est plein, mais écoutez, c'est juste pour prendre la roue. Merde. Allez, je veux juste le transporter. Ah. Ah, il faut que je dégage la roue d'abord. Comment? R. Boum. Toi, tu dégages. Je peux pas le recycler. Avec ça. Merde. Allez, recycle-moi cette roue. Hop là. Voilà. Boum. Oups. Boum. Voilà. Scanner la route desserrée. Équiper le kit mécanique. Hop là. Équiper la voiture. Bon, j'avoue, je commence à trouver ça marrant là. Ce qui me fait peur, c'est plutôt le moment où ils vont nous laisser tout faire. Et où là, je serai en mode oula. Je suis perdu. Tapis d'artisanat. Installer le dispositif ARC. There's a little prototype of mine in the garage. The ARC device. Hook it up to your car, wherever it'll fit. J'avoue, j'aime bien là, je trouve ça marrant. This beauty won't just be your tour guide. It's your North Star and the only way back to safety. Heck, you should consider it the Father, Son, and Holy Spirit if you plan on staying alive. That's how important this thing will be to you. Yes, that's my very own invention. I'll tell you more about it if you live long enough to use it. Récupérer le plan de l'engrenage près de la porte avant du garage. Ok. Récupérer le plan du percuteur. Utiliser la pompe, oui, pour faire le plein, oui. Ah non, rien à voir, pardon. L'essence elle part vite hein. Actionner l'interrupteur pour recharger la batterie. C'est sûr hein. Ah non, je m'en dis. This is the zone. Within these borders, all matter has lost the ability to hold a constant physical state. What that means is the shape, size, and makeup of just about everything constantly changes. A mile of grass can turn into 10 miles of swamp in the blink of an eye, and it does, constantly. It's caused by something we call instability. We're completely surrounded by it, and once you've watched it chew through entire mountain ranges, you'll understand that you don't want to get anywhere near it. We can only survive in here within pockets of stability. That's what you're standing in now. And that's what you're seeing mapped on the route planner. If we're going to find you a way out of the zone, you'll need to build a new antenna. Until then, you won't be able to detect stabilized routes beyond your immediate area. So, you've got to go hunting for parts, and that means taking a drive. Go on, pick a route. The ARC device in your car will then show you where you need to go. Ok, bon bah ça j'imagine. Off you go. Make a left out of the garage and follow the access road. Ok, bon, sachant que je comprends pas trop, genre toutes les infos à droite là je capte R. Analyse de l'itinéraire, vous voyez, je comprends pas trop tout ce qu'il y a, mais bon. Enfin, oui, ok, il y a des. Ok, non, ok, il y a la météo, il y a des trucs comme ça, j'imagine que là ça veut dire que j'ai assez de carburant. Bon. On y va. Ah oui, là j'ai mon itinéraire, j'imagine. Merde. Non. Bon, ok. Bah, let's go. Ça part. Je commence à trouver ça marrant. Après, est-ce que c'est un jeu dans lequel je mettrai je sais pas combien d'heures, des dizaines d'heures de jeu dedans? Bon, ça c'est toujours un petit peu la question, quoi. Hop, on va repasser comme ça. C'est toujours un petit peu la question. Et là, la réponse c'est... The fuck? Ah! Ah, c'est marrant ça. Ah, donc en fait, c'est des mini-zones ouvertes. Je trouve ça pas si mal. Ah, c'est pas mal, ok. Bon, ça m'intéresse, j'aime bien. Mais oui, voilà, je suis presque à peu près sûr que... Je mettrai pas même 10 heures dans le jeu, quoi. The woods are littered with plasma generators. Look for a research trailer or a spot tower. That's those antenna things zapping you when you get too close. Both are always accompanied by plasma generators. Okay. The ARC device is picking up on some plasma generators nearby. Your headset has a built-in scanner. Use it on the plasma generator and it'll figure out the tools you need. Hop, on sort. Bon, après, je dis le jour où on va nous laisser tout seul, mais en fait, le fait est que c'est quand même un jeu dans lequel tu suis une histoire. Donc en fait, ce sera pas comme un jeu de survie où juste tu te démerdes et voilà. Donc ça, j'aime bien l'idée et ça peut me tenir. Enfin, ça peut me tenir un peu plus en tout cas. Bon, là, je suis un peu perdu en revanche. Récupérer des matériaux et fabriquer des pièces de rechange. Ok. Ajoutez à votre liste de tâches le percuteur. Plan. Percuteur. Parfois, il faut employer la force assistée de manière pneumatique. Le dispositif à projectile captif est idéal pour briser du cristal, débloquer des gisements ou casser des choses de manière générale. Ok. Find those materials by any means necessary. No one's coming back ever again, so go on and take what you need. Transports, homes, outposts, facilities, they've all been abandoned since the zone was decommissioned in 87. Most of those structures won't even be there the next time the instability scrambles the area. So loot to your heart's content. Just loot away. Look at you! Out in the zone all on your own. They grow so fast, don't they? And I'll be back at the helm. Been a long time, old gal. Didn't think we'd talk again after that whole Sasquatch incident. Yes, I was hoping to go another decade without hearing your voice again. What, did you finally talk Francis to death? Hello to you too, Oppie. And no, I'm still here. Okay. Oh waouh, c'est énorme ça. J'ai la place. Bien, fusée éclairante. Là j'imagine que j'en ai trop pour que ça se stocke. Ah. Il faut agir devant l'un, il possède à peine les caractéristiques techniques pour être considéré comme une portière. Mais alors, est-ce que ça, parce qu'à mon avis, ces trucs-là, je peux pas... Genre ma voiture, je peux sans doute pas la réparer tant que je suis pas au garage. Ah si. Ah bah ça j'aime bien par exemple. Et R ça sert à quoi? Ah oui ça sert à la démonter. Et E ça sert à ouvrir. Et C ça m'indique les caractéristiques. Okay. C'est quand même très dense hein. C'est le genre de jeu... Vous voyez tous ces trucs à lire là Bon. Ça fait des choses, hein. Et... Ah oui, et là je peux stocker des choses. Ah ok. trying to keep them alive? I'll keep to the basics, I promise. They deserve to know what they're getting into. Fine. I'm giving you 60 seconds. That is not nearly enough time to get... 55 seconds and counting. Okay, okay, okay. The remnants, in short, they're old objects that do all sorts of weird things. They bind themselves to people, and you're the latest victim. You and the car are inseparable now, so get acquainted. Once the remnant is bound to someone, they become gradually more obsessed with it. It takes over the victim's mind, until they go crazy and run off into the zone with it. No one has ever been able to resist its siren call. That fixation is probably worming its way into your brain as we speak. This is the first time we've ever got our hands on one. But we know all about the past remnants, and oh gosh, this one time it materialized as an old copper kettle, and the tea that came out of that thing, it was... And now I'm splitting the transmissions going to your receiver. Anything critical to your immediate needs will broadcast directly and immediately to your radio and headset. Anything not mission critical will be on a low priority frequency. Those transmissions will be recorded and indexed for you to listen to at your leisure. And by low priority, I mean just about everything that comes out of Tobias's mouth. Ok. Bon, c'est... J'ai pas suffisamment suivi l'histoire là. Enfin, pas l'histoire, mais je veux dire... les quelques dialogues qu'on vient d'avoir. Oh. Ok. Bon, j'aime bien quand même l'ambiance, faut le dire. Je trouve qu'il y a un truc très très chouette dans... Hop. Dans l'ambiance et dans un peu ce truc où t'as quand même l'impression de te gérer un peu tout seul. Ça, j'avoue, j'aime bien le truc. Bon, là, la portière, en l'occurrence... alors, à moins que je puisse la stocker quelque part. Ah oui, je peux. Stockons. Et sinon, on va rassembler tous ces trucs-là. C'est un peu chiant que je puisse pas les... Je peux pas juste... Ah oui, voilà, transférer les matériaux. Ah, génial. Pour de gagner un peu de temps quand même. Ok, bon ça je garde au cas où. Je pense le grattoir par exemple. Ah bah si, mais je suis bête. La portière, je pense que je vais la démonter. Je vais juste la démonter en fait, je pense. Voilà. Voilà, parfait. Aïe! Mais non, mais c'est une blague! Je viens de me mettre un coup dans la tête. Ok, ça par exemple, j'ai pas trop capté ce que c'était en fait tout à l'heure. Générateur de plasma. Tandis que nous cherchons encore des ressources viables en énergie dans une zone de plus en plus instable, nous avons commencé à tester les premiers dispositifs portatifs de stockage de plasma. La zone étant frappée par les radiations, l'instabilité, les perturbations électromagnétiques et tant d'autres phénomènes inexpliqués, chaque infrastructure créée pour acheminer de l'énergie s'est avérée, pour ainsi dire, inutile. D'où nos recherches sur le potentiel du plasma chargé, voire magnétisé, et nos études sur les qualités conductrices. Je m'étouffe, et capacitives des échantillons que nous avons stockés. Le plasma sera bien plus efficace que le diesel et l'essence que nous avons dû collecter ici et là. Et si l'on s'en fie aux dernières études de l'équipe travaillant sur la technologie LIM, il sera peut-être bientôt tout aussi transportable. Nous attendons à présent des nouvelles du docteur Essid qui termine son rapport sur le courant de Birkeland. La direction de Larda voudrait que nous testions au plus vite cette technologie sur le terrain, mais nous estimons que c'est trop tôt. Comme d'habitude, ils veulent bâcler la recherche et faire des économies. Ok. Ok. Ok, donc en effet, on nous dit que on peut réparer des choses pendant nos voyages, mais pas tout quoi. Tac, vous pouvez bricoler en déplacement dans le coffre de votre voiture. Ah, vous devrez cependant utiliser le banc d'artisanat du garage pour les objets les plus avancés. Ok. Oui, donc en gros, en déplacement, c'est vraiment, j'imagine, les petits trucs les plus simplistes. Les deux bancs d'artisanat peuvent être améliorés pour fabriquer des pièces plus sophistiquées. Ok. Préparation du trajet. Une fois votre itinéraire sélectionné, assurez-vous de préparer votre trajet. Empaquetez les outils, ressources et pièces de secours dont vous avez besoin et sortez du garage pour vous lancer. Faites attention lors de votre virée, la voiture possède un protocole d'urgence qui vous sauvera la vie, mais pas grand chose d'autre. Ok. Dès lors que vous survivez à des conditions inhabituelles ou à des changements soudains dans la zone, votre carnet de bord est mis à jour avec des informations sur ce qui vient de se produire. Étudiez ces mises à jour avec soin, elles vous donnent des informations essentielles qui vous permettent de mieux vous préparer et vous protéger. Utilisez la carte située sur le mur du garage pour planifier votre prochaine virée dans la zone. Le long de chaque itinéraire... Ah mais j'ai un cheveu depuis tout à l'heure qui me... Voilà. Le long de chaque itinéraire, vous trouverez différentes ressources et ferez face à d'étranges dangers. Alors choisissez bien votre chemin. Choisissez entre des trajets reproductibles pour récolter des ressources ou des trajets d'exploration pour cartographier de nouvelles régions. Les trajets d'investigation vous permettront quant à eux de mieux saisir les raisons de votre présence ici. Ok. Moi pour l'instant ce avec quoi j'ai du mal c'est surtout la gestion de l'essence. Parce que... Enfin je pense que quand je roule là je consomme de l'essence. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un truc où il faut un minimum d'essence au moment où tu pars du garage. Donc ça, et peut-être qu'il faudra aussi un minimum d'essence pour repartir vers le garage, vu qu'il y a un déplacement rapide ici. Alors, lorsque vous conduisez dans la zone, le mot d'ordre est l'exploration. Si vous vous perdez, consultez la carte qui se trouve sur le siège passager. N'ayez pas peur de faire du hors-piste, car on ne sait jamais ce que vous pourriez trouver. Ok. Collecter des ressources est primordial pour survivre. Cherchez des véhicules et des bâtiments abandonnés. Les voitures peuvent être une bonne source de carburant, des matériaux classiques tels que de la ferraille et parfois même de pièces détachées en bon état. Et n'oubliez pas que vous pouvez scanner la plupart de ce qui se trouve dans la zone pour plus d'informations. Ok. Et tout ça on le sait. Je me force un petit peu à lire, histoire de... La tempête d'instabilité ne nous pourchassera pas, à moins d'avoir été invoquée. Ok. Alors ça par exemple, je ne comprends pas trop. Il prend place à côté de toi, et c'est peut-être le spécimen de technologie le plus endommagé que tu as jamais vu, mais c'est aussi le plus remarquable. Il surveille la zone, il intègre de l'énergie d'encre, et il téléporte sans problème la voiture et tout ce qu'elle contient sur de courtes distances. C'est soit du pur génie, soit le fruit d'une technologie volée et complètement illégale, soit un peu des deux. Ok. L'objet qui picote la langue de tous les artisans curieux alimente la plupart des petits appareils domestiques ainsi que de nombreux appareils portables. Ok, donc ça c'est des trucs, c'est tous les, ouais, les types d'objets qu'on va ramasser quoi. Bon en gros c'est des matériaux quoi, j'imagine. Ok, quoi d'autre? Améliorer. Ok. Une belle épine dans le pied. Certainement le problème le plus... Ouais. Je vais le faire. Certainement le problème le plus anormal qui puisse arriver à une roue, un trou béant dans son si précieux caoutchouc. Fort heureusement, les remarquables avancées en matière de colmatage de pneus rendent la réparation très rapide. Autrement, une roue de secours fera des miracles pour retrouver votre mobilité. Et vous en avez emporté une, n'est-ce pas? Non. Mais dès qu'on en trouve une, on la chope. Roue desserrée, elle bouge. S'il y a bien une partie de la voiture qu'il vaut mieux ne pas perdre en route, c'est celle-ci. Il n'y a plus qu'à sortir un kit de mécanique et à réparer tout ça. Ok. Parfois, il faut écouter la benne à ordures. Si la gentille benne à ordures reste votre meilleur pote dans la zone, statut de meilleur pote à confirmer, c'est parce qu'elle vous donne des trucs dont elle pense que vous aurez besoin. Vraiment besoin. Pardon. Vraiment, vraiment besoin. Des trucs qu'il va sûrement vraiment falloir que vous gardiez pour vous en sortir pendant la prochaine phase de votre aventure. Ok. Et finalement, blablabla. Bon. Ok. Ok, et pardon, j'avais un dernier truc là. Ok, ça on a vu, c'est bon. Bon bah génial. Génial, génial. Continuons d'explorer cet endroit, vite fait. Cartouche pressurisée. Hop, oh, parfait. Hop. C'est bien parce qu'on peut tout récupérer avec une seule touche. Ça permet de gagner un peu de temps. Et des matériaux. Et ça, c'est quoi? Ok, c'est pour se soigner. Très bien. Très bien, très bien. Il y a un truc là qui commence à me choper. Je comprends mieux comment le jeu fonctionne. Et du coup, je commence à apprécier. Erreur, améliorer les matériaux. Ah oui, mais parce que j'ai pas encore d'engrenage, je crois. N'est-ce pas? C'est quoi là mon objectif? Assembler un percuteur et les engrenages nécessaires à l'aide du tapis d'artisanat dans le coffre. Ah oui, donc les engrenages, c'est un truc qui se crée aussi. Ah oui, fabriquer. Hop, c'est bon. Et là, là, on a le percuteur. C'est bon. Ok. Ok, d'accord. Détruisez des générateurs de plasma pour récolter des matériaux. Ah. Génial. Ouais, le jeu est en train de me choper là. L'ambiance est vraiment très chouette et le fait que ce soit pas un jeu de survie, même s'il y a beaucoup de mécaniques de jeu de survie, mais que ce soit plutôt un jeu narratif, c'est bien joué. C'est plutôt bien joué. Et je commence un petit peu à comprendre aussi, genre le mastic de réparation, j'étais en mode est-ce qu'il faut le trouver ou quoi? Pareil, le grattoir, trop bien. Ok, ok. Ça y est, je commence à comprendre des trucs. Ah, j'aime bien là, j'aime bien. Ok, on va dégager tous les matériaux. Ça sert à rien qu'on les garde. Et en vrai, pour l'instant, les boîtes de conserve aussi. Les fusées éclairantes, pour le coup, je vais les garder. Ok. Ok, ok, ok. Je regarde juste un petit peu les touches. Ok. Pour être sûr de ne pas rater de trucs bêtes, mais utiles. Voilà. On a fait le tour ici. Je vais aller... Oh, quoique, je vais y aller à pied. Alors, commençons là. En fait, l'ambiance est ouf. L'ambiance est vraiment trop chouette. Donc c'est cool. Et je pense qu'on n'est pas au bout de... nos surprises. Alors ça, c'est tout entouré. Est-ce qu'il faut que je prenne la bagnole et que je défonce la grille par hasard ? J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Juste en termes de luminosité, est-ce que je suis bien réglé ou pas? Bah je ne sais pas. On va mettre à 1 disons. Ouais, quoique non, je vais laisser... Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de truc pour... J'imagine que c'est censé être comme ça. Ok. Alors, on va prendre la bagnole, on va essayer de défoncer la... Mais tranquillement parce que j'ai pas envie... Oh, c'est quoi ça? Pompe à vapeur. The fuck? Alors, lampe à vapeur de sodium. Mets-moi à l'attention de tout le personnel, 28 décembre 75. Suite à ma note du 24, je vous écris pour vous informer toutes et tous que la prochaine soirée disco n'aura pas lieu. En août, je suis profondément déçu de devoir rappeler à tous les employés qu'un usage inapproprié et non autorisé des équipements de Larda est, il va sans dire, une violation des règles de l'entreprise, ainsi qu'un comportement très peu professionnel. Les systèmes d'éclairage, panneaux, projecteurs et supports que nous avons réquisitionnés sont des appareils au sodium calibrés avec précision, spécialement élaborés et protégés contre le magnétisme. Ils sont à la fois très sensibles et extrêmement coûteux. Ils ont été conçus spécifiquement pour fonctionner dans la zone, pour être déployés à distance et pour résister aux radiations et aux impulsions électromagnétiques. Ils ne doivent pas être modifiés avec des filtres colorés, des bannières arc-en-ciel ou des résistances variables rythmiques. Franchement, avoir à rédiger un tel mémo me consterne. Quand je retrouverai les responsables, et je les trouverai, soyez sans crainte, les conséquences seront terribles. Nous sommes dans la zone d'exclusion olympique, pas à Miami Beach. Certes. Vous pouvez équiper des outils du pro... Ok, c'est bon, ça je sais. Et tout ça, c'est encore des matériaux, donc on s'en fout légèrement. Voilà, voilà. Ok, ça c'est pas mal, j'aime bien le fait que... qu'en gros, on ait quand même la liste de tous les plans ici. Je peux pas les fabriquer, mais je peux au moins les ajouter à la checklist. C'est cool et en vrai je me demande bien qui développe ce jeu parce que c'est quand même très clean. C'est le genre de jeu où je me dis ah mais c'est ça qui faisait du bruit depuis tout à l'heure. Ouais, c'est le genre de jeu sur lequel je me dis c'est pas un premier jeu ça. En vrai ça pourrait. Ça pourrait, mais si c'est un premier jeu, d'une grosse équipe, quoi. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, mais c'est fermé. Ok, une entrée par l'arrière, peut-être. Non, c'est tout condamné. Hop. Mince. Ok. Ah oui, ok, je commence à comprendre certaines choses. Mais alors, est-ce que... Attends, quoi? Can réussi, enregistrement concerné, indexé. Ok. Est-ce que... Tout le monde a quitté la ville. À ce stade, je suis la seule personne qui les reste. Je partirai demain, moi aussi. C'est dur de croire qu'il y avait autrefois une communauté ici. C'est sûr, nous n'avions pas grand-chose à montrer, à offrir aux visiteurs. Pas de grandes attractions ni de monuments célèbres. Mais nous étions quelques-uns à vivre ici et nous en contentions. Mais le gouvernement semblait en avoir décidé autrement. Vous ne pouvez plus vivre ici, ont-ils dit. Voilà nos indemnités. Maintenant, dégagez. Leur zone secrète d'expérience étrange continue de s'étendre. Cette terre leur appartient maintenant. Cette ville aussi. Et nous ne pourrons bientôt plus revenir. Ils nous ont à peine donné de quoi déménager. Maintenant, il faut décider de ce que nous allons laisser derrière nous. Ok. En gros, la question que je me posais, c'était... En fait, est-ce que ça m'annonce à l'avance les matériaux que je vais recevoir? Mais j'ai pas l'impression. À confirmer, mais j'ai pas l'impression, non. Ok. Bah parfait, on va stocker tout ça, puis on va repartir, parce que ça fait 10 minutes qu'on est sur cet endroit. Hop. Et encore une fois, la bouffe, je vais la mettre là. Et en vrai, le percuteur... Ouais, quoi que j'ai de la place pour l'instant. Mais pareil, le kit de soins, je vais le mettre là. Le mastic, pour le coup, je vais pas le prendre avec moi. Le grattoir, oui. Le percuteur, oui, on va dire. Ça, pareil. Je vais le laisser là. Et voilà. Parfait. Cool. Et ben, c'est parti. Hop. Ah, trop bien, il y a une radio. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ça? Non. Merde. Je vais y arriver. Hop. Allez, c'est parti. Enfin, c'est parti. On va sans doute s'arrêter très bientôt. Genre ça, c'est quoi? C'est un rocher. C'est un rocher avec une texture très moche, c'est tout. Et alors attendez, vous savez quoi? Je vais aussi en fait augmenter le FOV. Le FOV dans la voiture. Franchement, je vais tout mettre à fond. Hop. Ah, je préfère. Oh! C'est quoi ce truc? Non. Je sais pas si c'est... Inoffensif. Anomalie. Ravisseur. Cher Maggie. À nouveau, les enfants et toi me manquaient tellement. Je suis désolé de ne pas avoir pu t'écrire plus tôt, mais les choses sont complètement folles ici. Je dispose d'un petit moment de libre, donc je me suis dit que ce serait une bonne opportunité opportunité pour rédiger cette lettre. J'espère que mon écriture un peu sinueuse ne te gênera pas trop. On est dans une situation délicate avec les gars actuellement. Comment te dire ? Notre frangon est perché dans un arbre. J'ai bien peur de ne pas pouvoir t'expliquer ce qui s'est passé exactement. C'est top secret, tu sais. Mais on va bien, crois-moi. On a 2 heures à attendre avant l'arrivée des secours, perché à 15 mètres du sol, tout juste sur une crête. Je t'enverrai cette lettre dans mon... dès mon retour à la caserne et t'en écrirai une bien meilleure après coup. Mais en attendant, voici une image. C'est un croquis que j'ai réalisé. S'il y a bien au moins une chose qu'on a là-haut, c'est un sacré point de vue. Ton amour à jamais, Joe. Mais alors, est-ce que c'est méchant, ça? C'est quoi? Oui! Oui, la réponse est oui. Elle est où, ma bagnole? Mais pourquoi elle est aussi loin? Ah, j'ai pas mis le frein à main à tous les coups. À tous les coups, j'ai pas mis le frein à main. Ça, c'est bien joué de ma part. Ok. Alors là-bas, il y a un truc à plasma. Et là, il y a ces petits... ces petits machins... Bon, allons voir le truc à plasma déjà. Ah, je crois que j'ai un pneu qui est en train de nous lâcher. Aïe! J'ai encore pas mis le frein à main. Oh non, la bagnole! Hop, on recule, on recule, on recule. Alors attendez. Est-ce que je vais pouvoir y aller ou il va me... Ah oui voilà c'est bon. Trop bizarre. Source Park. Note de terrain privé, Dr. Everett, date inconnue. Les émetteurs à plasma Spark combinant les bobines anciennement obsolètes avec des répéteurs améliorés par la technologie LIM ont démontré être le meilleur moyen d'améliorer les signaux à travers la zone. L'augmentation constante des radiations et des interférences électromagnétiques a rendu les communications extrêmement difficiles et souvent sujettes à d'étranges distorsions. Ces nouvelles bobines modifiées semblent avoir résolu ce problème. L'ajout de sources de plasma locales est un moyen fiable de garder chaque nœud de cette infrastructure vitale à la fois opérationnelle et indépendante. Cependant, le prix que nous avons à payer est une maintenance et des réparations constantes. Elles sont exigeantes et usent les composants rapidement. Si les résistances et condensateurs clés ne sont pas régulièrement remplacés, ils développent rapidement une habitude de provoquer des courts-circuits ou encore de libérer des décharges de courant instables à proximité. Ceci explique cela. Ok. Ah, mais elle a encore un problème, la bagnole, là. Une récente décharge d'Estella remplie d'une quantité d'énergie à vous faire hérisser les poils. Elle finira par se décharger, mais en attendant, il est peut-être plus prudent de ne pas la mouiller. Ah ouais, ouf, ok. Je vais aller checker ça en attendant. Ah, ça a déjà été cassé, ça. C'est fou comment on n'y voit rien à l'intérieur. Je sais pas à quel point c'est normal. Enfin, vous, j'ai l'impression que vous y voyez mieux que moi, vous le confirmez. Moi, j'y vois vraiment pas grand chose. Il y a des bruits chelous hein, par là-bas. Je sais pas ce que c'est, mais. Oh. Oh, alors, kit de changement d'ampoule. Ok. Bonjour. Hi hi hi. Ok, on va tout prendre, si tout passe. Hop. Et ça, je peux le prendre, je peux le mettre là, non? Ah non. Et alors, est-ce que... ah mince, j'ai pas pris mon... Ah non, ou alors il s'est cassé. Je vais aller voir pour recrafter un pied de biche. Hop. Parce que j'imagine que je dois pouvoir casser le truc là. Ouais. Ok, parfait. Trop bien. J'adore la musique qui continue. Elle est trop bien cette musique. J'adore. Ah mais voilà, là j'ai des indications, parce que j'en avais pas tout à l'heure. Bah allons là. Allons au milieu là. Ah oui attendez, pardon, je voulais aussi voir le fait que j'ai un pneu qui a un problème là. Oui, voilà, les pièces de voiture peuvent voir leur état se dégrader à mesure qu'elles sont soumises, blablabla, elles font... Blablabla. Ouais, voilà, exactement. Bah moi, j'aimerais réparer ça. Alors, comment je répare un pneu? C'est avec ça? Ah non, c'est kit de colmatage, je crois. Oh, pare-choc. J'ai pas encore de pare-choc. Je vais peut-être faire un pare-choc déjà. Bam. Et au passage, je vais faire un kit de colmatage. Ah, c'est pas ça qu'il me fallait. Ça sert à quoi le kit de colmatage? Bah oui, c'est ça. Mais alors, c'est un autre problème qu'elle a cette roue. Roue avant droite. Ah non, c'est cette roue là peut-être? Ah oui. Cette roue là, elle est abîmée, mais rien de très grave. Ok. Ok d'accord, ça je vais le stocker aussi, et en vrai... c'est un jeu où il faut réparer des voitures, pardon j'avais pas vu ton message, non, mais c'est un jeu, c'est un peu un jeu de survie, comme, j'allais dire Minecraft, en vrai Minecraft c'est un jeu de survie, mais... dans l'idée, en gros, un jeu où tu dois récolter des ressources et des trucs comme ça. Sauf que c'est pas principalement ça parce qu'il y a un scénario en vrai que tu suis. T'as des petites missions à faire et tout. Et en gros, par contre, t'as ton allié principal, c'est une voiture. Et du coup, t'as une gestion de la voiture, quoi. Parce que bah, régulièrement, ça va s'abîmer et tout ça. Alors là, il y a un truc qui clignote et qui fait du bruit. Bon, on va s'arrêter là, hop. Est-ce que je l'ai éteinte? Je comprends pas quand je l'éteins. Là, elle est éteinte. Voilà. Donc voilà. Et en fait, là, c'est une démo. Et à la base, j'étais pas du tout sûr d'aimer le jeu. Parce que j'aime pas trop les jeux de survie en général. Sauf que là, il se trouve qu'en fait, c'est vraiment très bien parce que c'est un jeu de survie, mais c'est surtout un jeu Enfin, c'est pas surtout, mais c'est beaucoup un jeu narratif, en fait. Et moi, comme tu le sais bien, j'aime bien les jeux narratifs. Dépanneuse. En panne? Bien sûr qu'on est tombé en panne. Vous avez besoin que je vous fasse un récapitulatif? Une de ces choses volantes a dérobé nos portières. Notre batterie a été vidée par un de ces trucs rebondissants. Un de ces machins épineux a foutu nos pneus en l'air. On a été traîné en haut d'un arbre par vous savez, l'un de ces autres bidules encore là. Donc oui, on est en panne. Ne faites pas l'étonner comme ça. Est-ce qu'on est vraiment les premiers à tomber en panne dehors? Vous croyez être ici pourquoi en fait? Pourquoi croyez-vous que l'on vous a confié ce camion? Vous savez quoi? Vous n'êtes pas assez rapide. Et je... Quoi? Une autre mission? Qui ça? On est tombé en panne les premiers. Eh ben... merde. Pourquoi je peux pas siphonner? Je sais pas. Et là, c'est quoi mon niveau d'essence? Ah, mais je pouvais pas siphonner parce que j'avais... Le bidon était plein. Hop, je vais récupérer ça. Ah bah parfait, je vais pouvoir re-remplir ma bagnole. Parfait. Et en fait, l'ambiance du jeu est trop bien. T'es dans un monde un peu chelou où il y a des... Enfin, tu comprends pas trop, mais il y a des phénomènes chelous qui se passent, quoi. Et c'est très sympathique. Hop là. Voilà, comme ça, on a un petit peu plus de place. Et en vrai, le percuteur, je vais le laisser dans le coffre. Hein. Ça sert à rien de le stocker là. Voilà. Enfin, après... J'ai de la place pour l'instant, gardons-le. Hop. Oh, il y a un truc bizarre là. Bon bah je vais reprendre la voiture. Ah oui, le voyant, c'est que je suis juste trop en pente. Donc là, autant dire que ça va être compliqué de redémarrer. Allez, allez, allez. Bah non, hein, ça va pas vouloir. Hein. Allez, allez. Hop, c'est bon. Je dis que c'est bon, mais je peux pas passer là. Allez, let's go, let's go, let's go, yes. Voilà. Alors, donc là on est là, nous on a fait ça déjà je crois. Et après on aura ça. Fragment de journal. J'aime bien ce truc. Alors c'est très écrit, très bavard à l'écrit, qui plus est. Mais j'aime bien le, ça fonctionne bien, je trouve. Tout le monde a quitté la ville. À ce stade, je suis la seule personne qui le reste. Je partirai demain, moi aussi. C'est dur de croire qu'il y avait autrefois une communauté ici. Ah mais j'ai déjà eu ça. Bon, bah ça en l'occurrence je l'ai déjà eu. Ou alors j'ai juste pas ouvert le bon truc, je sais pas. Ah, kit de changement d'ampoule. Combien de transgresseurs faut-il pour changer une ampoule? Nous nous apprêtons à le découvrir. Ok. Bon, ça, j'imagine que c'est pour changer l'ampoule des phares. Sans aucun doute. Ouais, donc tu peux vraiment changer plein de trucs, quoi. Parce que la batterie, visiblement, tu peux aussi la recharger. Bon alors, qu'est-ce que c'est que ça? Encore Encre stable. L'encre est en bon état et remplie... Oula, attends, qu'est-ce que j'ai fait? Là, attendez, ne peut pas être rangé. J'ai l'impression d'avoir fait une bêtise. Attendez, c'était où encre stable déjà? Que je relise, enfin que je lise tout court parce que du coup j'ai eu peur et j'ai pas lu. Attendez, où est-ce que c'était? Ah, c'est là. Rempli d'un 1, y toucher pourrait affecter cette région de la zone, mais ce serait une ressource si bénéfique à détenir. Ah, ok, donc c'est bien de le prendre. Le problème, c'est que j'ai pas de place. Ah bah, j'ai déjà un phare qui est mort. Oh! Pourquoi je peux pas le ranger? Qu'est-ce que je dois en faire si je peux pas le ranger? Ou alors est-ce qu'il faut que je fasse ça? Non, ça a pas l'air de marcher. Bon, je vais le laisser là pour l'instant. Et en effet, je vais me soigner parce que là, il le faut. Il me fait un peu peur, le truc qui se balade là. Ah, il y en a un autre en bas là. Bah, je pense que je vais laisser la bagnole là. Je vais juste fermer le coffre. Ça, je comprends pas ce que je dois faire avec. Et je vais descendre là. Parce que lui, il m'inquiète un peu. Je suis stressé là, ça m'a stressé tout ça. Allez hop, vite, vite, vite. Hop, hop, hop. Je peux pas fermer? Non, c'est pas grave. Ok. Rapport. Oh, attendez quoi? Ah oui, ok, pardon. Hop. Est-ce que je peux le lire? Oui. Il y a presque 150 ans, William Sturgeon a montré le fonctionnement du premier aimant soulevant 4 kg de fer avec le courant obtenu d'une seule batterie. Les portes de la recherche électromagnétique avaient été grand ouvertes ce jour-là. Demain, nous accomplirons ce qui pourrait bien être la plus grande avancée depuis l'époque Sturgeon. La technologie LIM nous a permis de façonner des électro-aimants plus petits, plus denses et toujours plus puissants. Cette année, nous avons fait la démonstration de l'aimant à champ à impulsion le plus efficace à ce jour, fonctionnant à une température encore plus basse que prévu. Tout cela n'a été qu'un prélude pour ce qui va arriver. Car demain, mes amis, nous allons mettre en marche l'électro-aimant le plus puissant jamais conçu. Il fera un peu chaud à l'intérieur du labo 5, mais notre démonstration sera stable, sûre et palpitante. Tout cela aura été possible grâce à nos recherches, vos recherches à tous, ici à Larda. Ok. Étrange. Est-ce que ça aurait mal tourné? Ok. Grattoire. Ok. Hop, je vais encore me soigner un coup. Et on peut repartir. Il m'attend ou quoi? Non, c'est bon. Ok. Allez, on s'en va. J'espère que la bagnole est toujours là. Mais oui, a priori, elle n'a pas bougé. Parfait. Bon, et ce truc-là, il me stresse, mais en même temps... Je sais pas. Je comprends pas si je vais le garder ou pas. Alors ça, par contre, indice. Stocké dans station. Ok, bon, je vais le mettre là et je pense que je pourrais le laisser... je pourrais le laisser à distance après. La démo est hyper généreuse, hein. Mais en fait, vous voyez là, je suis un peu en mode, est-ce que je continue? Parce que le jeu commence à me plaire. J'étais pas sûr et le jeu commence quand même à pas mal me plaire. Mais je comprends pas comment ce que je dois faire de ça. Parce que... Merde. Ouais voilà, je peux pas faire grand chose là, je comprends pas. Genre à quoi ça me sert de l'avoir si je peux de toute manière la garder que dans ma main? Bah en vrai, j'ai peut-être la laisser là, hein. Attendez, mais ça me blesse ce truc? Ah oui, ça me blesse quand je suis proche. Bah je vais la laisser là, hein. Je veux dire, je saurais quoi en faire. Hein. Ce serait différent. Mais là, ça me blesse et je comprends pas ce que ça fait, donc... Ouais, allez, on s'en va. On laisse ça de côté. Alors, prochaine destination, ce sera ces trucs-là. Hop. Hop, c'est fou le temps qu'on y passe. Alors, on va essayer de faire attention à pas dégonfler la voiture. On va descendre tranquillement. Pour éviter de la détruire. Voilà. Perfetto. Ok. Alors on va déjà aller là, et après on ira là. Bah vous voyez, c'est pour ça que vraiment les démos... Waouh. Bah les démos ça vaut le coup, hein. Parce que sans la démo j'aurais... Enfin le jeu visuellement dans l'ambiance m'intéressait, mais je pensais qu'il me plairait pas du tout pour le reste. Et en fait là je suis bien rentré dedans. Et c'est pareil pour Europa, enfin, non, Europa pas autant, mais il y avait... sur Europa, il y avait quand même une partie de moi qui me disait ça joue un peu trop sur le côté. Oui, on fait du Ghibli, blablabla. Transmettre plastique. Ok. Ok, on va essayer. Je vais aller chercher du plastique dans ma voiture. Mais ouais, au repas, je me disais, ça joue un peu trop sur le côté Ghibli. J'ai peur que ce soit un peu éclaté au sol au final. Et non, hein. Finalement, non. Hop. Avec ça. Est-ce qu'on peut séparer un peu? Non? Attendez, qu'est-ce qu'il me faut? Ah oui, en fait, il me faut ça. Canette, truc vert ou truc bleu. Ok, allons voir. Est-ce que j'ai ça? Ça, j'ai. Bah, on va mettre ça, j'imagine. J'ai aussi un peu de ça. Et c'était quoi le dernier? Bah le dernier, je pense que je l'ai pas. Confirmé, mais je crois que je l'aurais reconnu. Testons avec ça déjà. Je comprends pas s'il faut les 3 ou s'il faut juste 10 d'un des 3. Voilà. Ah oui, ok, ça compte, ça transforme juste un truc. Ok, bon. Très bien, on saura. Le sound design est chouette parce que t'as toujours un peu un truc qui t'attire l'oreille. Hop, ok. Qu'est-ce qu'on a là? Et ben là, on va avoir plein de sources. Fragment de transmission du 9 octobre 68. Je crois que je ne fais qu'énoncer ce qui est désormais une évidence, mais tous les véhicules, toutes les structures métalliques mobiles en fait, semblent attirer l'attention de nombreuses anomalies. Elles se font prendre en chasse, attaquées pour une raison inconnue, puis démantelées. Je suppose que les avions sont trop rapides, ou peut-être que les hélicoptères ne restent pas dans le coin assez longtemps, mais les voitures, cet endroit et sa faune raffolent des voitures. Pardon, comment? D'accord, correction, ce n'est pas de la faune. Quoi? Pourquoi? Cela engendrerait de la compassion? Écoute, je ne fais que répéter ce que disent d'autres gens. Non, je ne pense pas qu'il y ait de problème à dire ça à la radio. Nos transmissions ne vont nulle part aujourd'hui, de toute façon. C'est comme essayer d'émettre à travers de la mélasse ou quelque chose comme ça. Même en haut d'une montagne, je ne reçois rien. Crois-moi, personne en dehors de la zone ne peut nous entendre. D'accord, d'accord, reste calme. Le troquet de la Nouvelle-Angleterre. Le toquet de la Nouvelle-Angleterre, c'est parce que t'as à ce point un balai dans le derrière que t'as pas de copine. Waouh. Eh ben. Ok. On va ouvrir ça. Eh ben, yes. Bon, ça c'est cool parce qu'on va avoir plein de pièces. On va récupérer la moitié de la bagnole. Donc ça fait plaisir. Tout le monde a quitté la vie à le stade. Ok, ça on l'a eu. Ça c'est bizarre qu'on ait deux fois les mêmes logs par contre. Je vois pas trop l'intérêt. Surtout que ça nous l'indique pas. Ok. Oh, il y a un truc bizarre là. Nid de poule. Transcription d'un message, voilà. Attendez, c'est quoi les bruits derrière juste? Ok, ça va. Que je me fasse pas tuer. Ah bah merde, on peut pas. Bon, tant pis. Ok. Bon bah, démantelons, hein. Merde. Et ça, par exemple, le pneu, faut que je le démantèle ou je peux le récupérer? Ça, j'ai pas trop compris. À mon avis, il faut juste démanteler. Tu récupères les matériaux et derrière, tu peux... créer de nouvelles choses, quoi. Bon, là, je pense qu'on a tout eu. Ah, quoique, hein. Ah oui, non, c'est ça. Oui, les pneus aussi, il faut les démanteler. Ok, faisons. Ah, mais je vais me garer là. Hop là. Waouh, quand je me suis bien garé. Par contre, faut que j'arrête la bagnole avant de faire ça. Hop. Et est-ce que, en théorie, je peux siphonner à partir d'un truc comme ça? Ah, mais ceci dit, je suis déjà plein, je crois. Ouais, bon, ça sert à rien. Collant comme la sève. Ah, je peux le stocker là. Voilà, et est-ce que le grattoir, je peux le réparer ou est-ce qu'il faut juste que je l'utilise? Et ouais, je pense que c'est ça. Je peux pas le... J'ai pas l'impression que je puisse le réparer. Ah et purée, tu peux vraiment tout gratter quoi. Ah! Hop, faut en refaire un. Boum. Oui, non mais ok, ça sert à rien, ça mangeait tout. Hop. Voilà, hop. Ok, on s'en va. Hop, on va stocker avant. Feuille d'acier. Ouais, ok. Bam. Et là, on peut aller là. On va même s'arrêter là. Oh, il y a une anomalie là, non? Ou ça? Ça? Danger? Ah oui, oui, je me prends des dégâts. Ok, on va aller vite. Bam, 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 bam. C'est bon. Ok, je vais juste prendre de quoi me soigner. Genre ça. Hop. Et on va s'éloigner. Parce que ça fait mal là. Bon, à mon avis, de toute façon, la démo va se finir à la fin de cette zone. Il se trouve qu'on y est bientôt, donc on va finir la démo. J'avoue que c'est un peu chiant de se dire qu'il va quand même... Si je fais un jour le jeu complet, ça veut dire qu'il faut que je me retape quand même toute cette zone. Ça peut être un peu dommage. Ça y est, j'en ai marre de cette radio. Comment je change la radio déjà? XD. Non, pas du tout. Bah, je sais plus comment je change la radio. Bon, c'est pas la mort. Oh, charger la batterie. Surveillez de près la jauge de votre batterie, utilisez les phares et les capacités spéciales. Ouh, je suis en train de me barrer en arrière. Ok. Faire diminuer vos réserves. Néanmoins, même si vous êtes à court de batterie, votre dispositif ARC peut faire démarrer la voiture. Il existe aussi plusieurs moyens de recharger la batterie pendant un trajet. Vérifiez vos options d'artisanat. Ok. Et tous les biens sont sujets à l'usure, blablabla. Ok. Ah oui, tiens. La majorité des radiations détectées dans la zone peuvent dorénavant être classées en particules bêta ou en rayon gamma et leur comportement est globalement conforme à nos attentes. Néanmoins, des études complémentaires sont à prévoir pour déterminer l'origine et l'intensité grandement variable de ces radiations qui ne ressemblent à rien de connu. Un type particulier de radiation se produit sous forme de phénomènes très localisés, sans origine ni orientation apparente, et présentent souvent des variations et des changements de comportement propres à des configurations nuageuses. Ces microclimats de radiation sont de plus en plus fréquents et alternent entre faiblesse relative et concentration extrême. Si nous n'apprenons pas le terme, les sous-traitants locaux ont pris l'habitude de nommer poussière chaude ces étranges anomalies. Si une étude plus approfondie est nécessaire, le caractère extrêmement imprévisible et l'apparition spontanée de ces radiations rendent tout examen extrêmement compliqué. À l'heure actuelle, ce n'est pas une priorité. Ok. En revanche, au niveau de la batterie, je sais pas ce que c'est peut-être ce truc-là. Je ne sais pas, pour l'instant. Ah bah voilà, c'était là en fait notre objectif principal. Ok, émetteur radio. Ok. Je vais le stocker tout de suite. Il y a des bruits qui font un peu flipper de temps en temps. Alors, il faut rentrer là-dedans? Ah non, pas forcément. Je sais même pas si je peux rentrer là-dedans pour l'instant. Ah si, échelle. Ah, non, pas échelle. J'ai pas l'impression au contraire. Hein. Bon bah c'est tout alors. Attendez, est-ce qu'on a tout là? Non, il nous manque du plasma. Il nous manque du plasma. Bon, et les matériaux, on a. Ça, c'est good, je pense. Attendez, recharge nécessaire, 1 km. De la stable, de la batterie. Bon, écoutez, on va avancer. Et puis on verra. C'est quoi ça? Marrant. Marrant. Ok, bon. On s'en va. On s'en va, de toute façon il n'y a pas de plasma ici, mais je sais pas, on va le trouver le plasma. Oula, oula, oula. Bon là on a quoi? On a le pare-choc avant, qui est un peu en mauvais état. On a la roue gauche, qui a un peu pris cher aussi, mais c'est tout. Du coup vu qu'elle est en bon état la bagnole, je me suis dit on va faire en sorte qu'elle soit vraiment défoncée. Hop, ça va, ça le fait. Bon. Il faut qu'on trouve un dernier truc de plasma. Avant de partir. Mais clairement, il n'y a rien là. Ça m'étonne parce que j'ai l'impression d'avoir quand même bien fouillé. D'autant plus qu'en vrai, pratiquement tous les points avaient l'air d'être indiqués là. Oups. Bon, on va avancer vers la sortie, puis avec un peu de chance, on tombera sur un réservoir. Va falloir que je répare... C'est quoi cette histoire là? Faut que je répare le pneu. Mais avec quoi? Parce que ça marche pas, non? Ah si. Boum. Voilà. Ça devrait être bon là. Ah non mais... Ah oui, mastic de réparation. Je pensais que j'avais pris le... Autre chose. Et là le truc c'est que je comprends pas, il y a un point... Est-ce qu'il est... Je comprends pas les petites icônes. Sont-ils dégonflés les pneus? Ou est-ce autre chose? Oui voilà, kit de colmatage. On va tester. Ah voilà, et là pareil. Ah, ça sert qu'une fois. Bon bah on va faire avec. Ça ira. Hop là. Encore un truc comme ça. Et pas de plasma par contre. Je ne comprends pas où je vais trouver le dernier truc de plasma. Lui il se dirige un peu trop tranquillement vers nous. Allez, on se barre. Ah non, c'est bon. Putain, ils sont deux. Allez, on se barre vite. Vite, 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 vite. Vite, vite, vite. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça se passait si bien jusqu'ici. Allez, on s'en va. Hop. Oh là là, lui il est juste là. Hop là. Bon bah écoutez, on va finir la démo là je pense. J'espère juste que ça va me laisser partir sans le plasma. Mais encore un truc là, je comprends vraiment pas à quoi ça sert. Ouais, je sens que ça va pas me laisser partir tant que j'ai pas le dernier truc de plasma. Sauf que comment vous dire que je l'ai pas trouvé en fait. Et que j'ai pas envie de... J'ai pas envie d'y passer 15 ans. Genre là, j'ai pas envie de me retaper toute la visite. Bon, je vais y aller à pied. Je sais pas si ce soit une très très bonne idée. Mais on va essayer de visiter un petit peu à pied. J'ai pas... Si j'ai une carte, oui j'ai une carte. Ah non, j'ai pas de carte. J'ai pas de carte. Je suis en train de regarder un petit peu. J'ai l'impression que ça m'indique certaines choses. Ouais, je sais pas. Parce que ça là, ça va encore me faire des radiations. Ah mais ou alors ces trucs là, faut juste que je les enlève et c'est tout. Ça active ce que ça doit activer et voilà. Je vais aller faire avec le troisième. Et je vais voir ce que ça fait. Ouais, je sais pas. Bon, essayons de trouver du plasma par ici, hein. Bah une d'essence. J'aurais pu prendre un kit de soins avec moi d'ailleurs. J'y ai pas pensé. Oh oui, génial. Bon bah parfait. J'avais peur de galérer mille ans. Oui, donc ça veut dire qu'il y a les points indiqués sur la carte, mais il y a aussi plein d'autres choses qui sont pas indiquées. Ah oui, non mais tout le plasma est là en fait. Aïe, aïe, ah non, oh non, 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 non. Pas mourir maintenant. Voilà. It maps all anchors in the nearby area. Find an anchor and feed it to the arc device to charge it. But don't you worry your pretty little head about how it works. You'll be out of here soon, so there's no reason to learn more about LIM technology than you need to know. Et ben voilà, on sait à quoi servent les arcs. Oups. Utilisez la carte du dispositif A pour localiser un site d'encre et allez-y en voiture. Ok. Bah, il y en a un juste à côté de la voiture, donc parfait. Ok, très bien. Mais là, j'ai récupéré combien de plasma? 5. Ah voilà, contiennent une énergie massive et imprévisible. Ah, non. Okay. Ok. Donc à mon avis, ça c'est ça qui nous permettra de sortir de chaque zone. Et vu que c'est toujours entouré un petit peu de ces robots. Ah. Ah non mais alors je vais... Celle-là je vais venir la récupérer. C'est bon, j'avais peur que ça me tue avant que j'arrive à la voiture, mais c'est largement bon. Hop. Ah bah trop bien si j'avais su. Ah mais il m'en manque, il va falloir que j'aille choper les autres. C'est quoi cette lumière? Ah non ça va. I'm giving you 10 seconds to get out of my... Okay, we're signing off. Hey, driver, good luck out there. And watch out for the bunnies. They are a doozy. Hop, on se dépêche, on se dépêche. Merde. Je prends juste du soin. Parce que là, il m'en faut. Alors attends, quoi? Il faut que j'aille là? Je crois que j'ai fait exactement ce qu'on m'a dit de pas faire. Oh waouh. Oh waouh. Ok. Oui, en fait, la carte est vraiment immense et on nous montre que les choses qui sont proches de la route, à mon avis. Allez, allez, allez. On y va, on y va. Let's go. Oh merde. Oh j'y crois pas. Fallait que je fasse le tour en fait. Qu'est-ce que je dois faire là? Parce qu'elle est un tout petit peu bloquée. Alors non, par contre, on va pas foncer tout droit. Si on peut tourner, c'est mieux. Oh là là, j'y crois pas. Ah là 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 là. Mais est-ce que la voiture peut rester coincée? Oh, ouais, bon. Activer le téléporteur d'urgence. Ah, merci. Attendez. Ah, et voilà, merci. Ok, bon, ça c'est cool qu'ils aient intégré un truc comme ça parce que ça aurait été très chiant sinon. Bon, du coup la voiture a pris cher alors que j'avais presque fini. C'est pas grave. C'est pas grave, de toute manière c'est la fin de la démo. Oh well, well. You're alive. We're certain if the zone didn't get you, that gateway would. Did I not mention that you're the first human I've sent through that thing? I mean, there have been rodents, but it's not like it's completely untested. But anyway, it worked. So, you should have made it back with everything you collected out there. That's the beauty of the gateway. It's the only way to get back with all your marbles intact. Now, take those parts you found into the back room. I'll let you use my fabrication station. For now. That station will concoct ways for you to rig up anything from roof racks to flare guns. Assembling an antenna with those parts you brought back should be easy as pie, but it requires anchor juice to work its magic, so bring back as many as you can. And just because I haven't used their garage in decades doesn't mean you can trash the place. Mess up my equipment and I'll throw you to the anomaly so quick you'll get whiplash. We clear? Signals coming through loud and clear. Give it a moment to initialize. Make sure to empty your trunk before heading back out. You'll need the space. And we're patched. Everything's in working shape, more or less. I've hooked up the antenna to the route planner. Give it a look after you're done peeping through my garage. Et voilà. Là, 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 là. Ok. Et ben voilà, c'est fini. C'est fini. Ouais, trop bien. Eh ben, écoutez, hop, me revoilà. C'était très sympa. C'était vraiment très très chouette. Alors j'avoue que le fait qu'il n'y ait pas de compatibilité de la sauvegarde m'embête un peu, parce que là, me dire que si je fais le jeu, me dire que je devrais me retaper 2 heures de jeu que j'ai déjà vu. Bon, après, clairement, ça ira plus vite. Je pense que j'irai plus vite sur la collecte de ressources et tout. Il n'y a pas besoin d'aller de prendre autant de son temps. Mais voilà. Mais non, franchement, c'était vraiment très très bien. Est-ce que j'aurais envie d'investir beaucoup de temps dans le jeu? Je ne sais pas. Parce que... en fait, ça va dépendre beaucoup de la durée du jeu. Et ça, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle sera la durée du jeu. Donc voilà. Si c'est un jeu qui dure une dizaine d'heures, ça peut être cool. Mais à mon avis, ça va être à tous les coups du 20 ou du 30 heures. Ça me semble être exactement le type de jeu qui va être dans ces durées-là. Donc à confirmer. Mais bon, écoutez, c'était quand même très très sympa. J'ai été très très surpris parce qu'il y a une grosse dimension survie, bien sûr. Tu sens que ça fait partie du jeu et que c'est une très grosse composante du jeu. Mais en fait, t'es jamais autant perdu que dans les jeux de survie. Et ça, c'est vraiment le truc que je déteste, devoir collecter des ressources et ne pas avoir de but, en fait. C'est un truc que j'aime pas du tout dans les jeux de survie. Et surtout, ce que j'aime pas dans les jeux de survie, c'est que je trouve que c'est un genre de jeu qui est vraiment pas respectueux du temps des joueurs. Je trouve que c'est un jeu inutilement... un type de jeu, pardon, inutilement long et toujours... c'est trop compliqué pour rien. Et là, je trouve que c'est pas le cas. Je trouve que globalement, alors il faut comprendre les systèmes et tout, ça prend un peu de temps et ça rend le jeu pas accessible du tout, je pense, à n'importe qui. Mais par contre, une fois que tu as un peu les systèmes en main, pour l'instant, enfin, je veux dire, là, je trouve qu'on a bien avancé. Et ce qui me rassure, c'est que j'ai vraiment le fonctionnement du jeu en tête et ça me semble pas infaisable, quoi. Donc voilà. À voir si je le ferai. Mystère, il y a beaucoup de jeux en ce moment, il y a déjà beaucoup de jeux que j'ai pas fini, donc bon, je suis pas 100% sûr de le faire dès maintenant, mais parce que le jeu sort dans 2 jours, le 22 février, mais à mon avis ça vaut le coup, et clairement si vous aimez un peu la composante survie de certains jeux, avec un univers un peu plus travaillé, potentiellement un scénario un peu plus travaillé, je trouve que là dans les notes il y avait quelques trucs intéressants, donc voilà, ça peut être très intéressant. Voilà pour Pacific Drive, très belle surprise. Je ne m'attendais pas à autant l'apprécier.